La chapelle Saint-Philibert, située dans le Morbihan, a une histoire riche et intéressante. Elle a été construite en 1648, à une époque où la commune, qui n'était alors qu'un petit hameau, dépendait encore de Locmariaquer, un bourg voisin. La chapelle a obtenu son indépendance en 1870 et a été érigée en paroisse. À l'origine, la chapelle était bâtie comme une maison de pêcheurs de l'époque, avec des murs crépis à la chaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Elle n'avait alors que la nef et a été agrandie par la suite. Au fil du temps, l'église est devenue trop petite et a été agrandie pour accueillir plus de paroissiens. Elle a été restaurée deux fois, en 1773 et en 1785, et a été à nouveau agrandie en 1954 au niveau du transept nord. L'intérieur de la chapelle est tout aussi impressionnant que son histoire. Dès que vous entrez, vous êtes immédiatement frappé par la voûte bleue recouverte d'étoiles et les ex-voto qui y sont accrochés. Au centre, un grand retable baroque richement décoré du XVIIe-XVIIIe siècle, réalisé en tuffeau par des artistes venus de Laval et d'Angers, habille le fond du chœur. La chapelle Saint-Philibert est un véritable trésor du Morbihan, offrant un mélange unique d'histoire, de culture et de beauté architecturale.